Salut, c'est Zdeps. Nouvelle vidéo donc sur Air Factor 2. On est sur le championnat BTCC, la Team LSF. C'est la quatrième manche. Donc on se retrouve avec une soirée qui démarre très très bien avec des qualifs qui ont merdé. J'ai pas pu faire mes qualifs, donc je vais me retrouver dans les derniers. Donc autant vous dire, ça commence très très bien. Allez, on se retrouve sur la ligne de départ. Allez, ça va partir. Espérons que le départ se passe bien, mieux que les qualifs. Il y a 25 minutes, on va essayer d'être patient. Bien là. Ouais, on va pas s'énerver maintenant. De toute façon, il y aura des erreurs, hein. Allez, on est remonté en 11e position. On a Dams devant. Allez, Quentin, on va essayer de lui prendre un peu d'aspi. Je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup avec ces bagnoles là. Just done at 152.72.
Allez, on a Pierre-Yves devant maintenant. On est P8. Les pneus, ça a l'air d'aller pour l'instant. Ah, sortie de route, on dirait. Il fallait me sortir. Allez, on va se montrer un petit Pierre-Yves. Okay, Sam, stay close. Wait for him to make a mistake. Tu prends où ? À droite ? Ça va être chaud là. Ça va être chaud. Ouais, je vais laisser un peu la place. Je prends l'extérieur. Voilà. Ça se passe toujours très bien que tu arrives. On est qui devant? Arnaud. Bonne perf Arnaud. The gap in front is increasing. It's now 5.5. Allez, il reste moins de 15 minutes. Je me méfie avec les pneus. Ça sort. Attention, retour en piste. C'était chaud ça. Ah ouais, le cinquième, il est loin. Voilà qu'il a 12 secondes. Juste devant. Merci, merci. Qui est devant, j'aurais pas aimé un plus de 7 secondes. On va dire que je sauve les meubles. La course n'est jamais finie. Alors, c'est vrai qu'à la fin des qualifs, j'étais un petit peu vénère.
Mais bon, restons concentrés. Le tournoi à la fin quand même. Chantalis est sorti au dernier virage. Ça, c'est pas de la chance. On disait qu'une course n'est jamais terminée. La preuve. On va se méfier, pas de faire la même. Terminé, le drapeau d'Amir. Yes. Cinquième. Superbe course. Je suis pas mécontent, honnêtement. Parti, je sais plus combien j'étais. Je suis parti 16, je sais plus combien j'étais sur les grilles de départ, mais venir cinquième, c'était inespéré. Bon, on se retrouve pour la deuxième course. Allez, fin du tour de formation pour la deuxième course. Donc avec la grille inversée des 50%, je suis quatrième. Alors devant on a Pierre-Yves, Arnaud, Jean Talu, moi, Valek, Bad Boy, Froome. Allez Arnaud, on loupe pas son départ, hein. Comme ça je vais pouvoir enquiller. Side. Clear left.
Très bon départ de Valek. Doit Bad Boy qui prend l'intérieur. Oh non, pas bien les gars. Ouais, ça sort. Hein. Ce virage là est compliqué quand on suit du monde. Ouais, toi ça repart, non, 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 non. Ah, je vais prendre l'intérieur. Pas très bon pour les pneus, mais bon. Je vais pas lâcher le groupe devant. Pierre-Yves qui tient le coup face à Jean Talus. On va rester en embuscade, essayer de pas trop bouffer les pneus. Derrière, toujours Arnaud. Ça se tape. C'est Jean Talus qui a pris l'avantage. Font chier les BM1. Left.
Ah, level actuel, choisir à gauche. Ouais. Je fais quoi, moi? Ça fume là pour l'entalue. Ouais, si tu démarres pas mort, c'est compliqué. Alors on va se montrer. J'allume un peu mes pneus pour rester au contact. Je risque de le payer en fin de course. En même temps, lui il doit allumer aussi pour la conserver. Donc, left. That's one, mate.
enfin trouver la porte. Allez, on va lui mettre la pression. Trouver le bon compromis entre l'attaque et l'usure des pneus. De toute façon, il va pas se laisser faire, hein. Ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, il va rester dans la légalité, dans le sportif comme d'habitude, mais je veux dire, deuxième, c'est pas pareil que premier, hein. Donc. Ouais, déjà là. Allez, je suis mieux sorti. Je prends à gauche, Nico. Allez, pas d'erreur, ça devrait les tenir. Je crois que ces pneus, ça doit pas être aussi bien que les miens. Ouh, je sors large. Ah, il m'a suivi. Allez, 2 minutes 40. Pendant que j'y pense, on termine la course. Une petite pensée à Titom qui n'est pas présent parmi nous pour des raisons familiales. Et merci à Alex qui m'a laissé sa place. Parce que je pense qu'il avait largement de quoi être premier vu les temps qu'il avait fait sur le Live Racer. Donc,
Dernier tour. Eh ben, première place du panier, pas volé, mais c'était vraiment rythmé. La soirée a fini mieux qu'elle avait commencé. Voilà, voilà, bah je vous mettrai de toute façon le classement, je pense, à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Je pense pas que je vais faire beaucoup de cuts. De toute façon, si vous m'entendez là, c'est que vous avez peut-être regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bonne journée, bonne soirée, à plus, salut.